Et salut tout le monde, on se retrouve sur Horizon Zero Dawn pour la suite des zones de chasse. Donc là, cette fois-ci, je suis dans la zone de chasse de Fourchevallon. Donc on va voir un petit peu les épreuves qu'il nous propose. Hein, c'est les épreuves élémentaires en général. Donc, alors lui, c'est le marchand déjà. Tu veux toujours passer. Alors, épreuve de feu. Pour cette épreuve, tire des flèches de feu sur les conteneurs. Sur... Voilà, donc le dos des galopeurs, faut leur mettre des flèches de feu dessus. Donc on va choisir une petite corde. Voilà, il y a des galopeurs ici. Hein. Blesser les machines en explosant les bonbonnes. Voilà. Donc c'est pas dur, hein. Il faut juste tirer dessus. Jusqu'à mes environs. 3 sur 4, là vous avez vu. Et voilà, impeccable. Et voilà, terminé. Extrêmement simple, il suffit de mettre une flèche sur une bonbonne, ça touche 3 cibles, une deuxième, et puis en général c'est terminé, donc on va rendre la mission tout de suite. Allez, est-ce que j'arrive à monter? Voilà. Parfait, ils repartent. Bon, donc voilà, je rends la mission et je vous retrouve pour la deuxième épreuve. Et cette fois-ci, on va lancer la deuxième épreuve, l'épreuve voilà. Du gel, donc. Si tu gèles assez de machines avant de les abattre. Donc c'est facile. Fantastique. Il suffit d'avoir un arc de guerre ou alors une fronde qui peut congeler ou n'importe quoi. Donc ce qu'il faut, c'est geler une cible et l'abattre. Donc il vous faut simplement un arc, je pense. Et puis un arc qui fait des dégâts et puis des flèches de gel. Hein. Ça va être très rapide. Tuer les machines gelées, il faut juste en tuer 5. Donc c'est plutôt rapide, hein, je pense. On re-switch. On switch. L'autre il est en train de me cramer, en plus je suis en très difficile. Allez, on a le temps, on a 1 minute 30. On switch, on one shot, on continue. On ignore le boursouflé, hein, de toute façon. Du moins pour l'instant. Hein. On va essayer déjà de terminer. On va terminer notre pote qui est juste là. Et après on va le tuer. Attendez. Oui. Ok, maintenant c'est parti. On met 3 flèches. Il est où notre pote? Il est là. On met 3 flèches. Et là on le désintègre. Et voilà, terminé. Donc je pense qu'on est obligé de tuer le boursouflé. Donc vous n'êtes pas obligé de le tuer tout de suite, hein, tuer là à la fin comme moi. Donc là c'est passé de justesse parce qu'ils ont couru, hein, donc je pense, en général je pense que ça passe quand même bien. Donc n'hésitez pas à réessayer si ça passe pas super du premier coup. Bon, on va lancer la dernière épreuve maintenant, je rends et puis je vous retrouve tout de suite. Et là, on se retrouve pour l'épreuve d'électrocution. Dans cette épreuve, étourdis des cracheurs avec des munitions électriques et tire sur les composants sous la... Donc là, voilà, il faut tirer sur les composants du ventre du boursoufleur, en gros. Donc, des munitions électriques, j'en ai. On va mettre 3 flèches. Ah, il faut attendre un petit peu. Donc là, des boursoufleurs, il n'y en a qu'un pour l'instant, je vois. Où est le deuxième? Donc voilà, n'hésitez pas à repérer un peu la zone, hein. Pour l'instant, j'en vois qu'un. Allez, on va voir quand même. Il y en a peut-être un plus loin, je crois. Faire tomber les bonbonnes des cracheurs boursouflés. Allez, c'est parti. Donc non, en fait, non. Il faut juste faire tomber les bonbonnes. C'est mal traduit, en fait. Il faut juste faire tomber les bonbonnes du gars, en fait. Hein.
voilà. Donc, utilisez soit le déchireur, soit des flèches de choc. Hein. Comme vous avez vu, c'est très simple. Hein. Vous tirez au sol, sous son bide, pendant qu'il est électrocuté. Et ça se passe du premier coup. Je pense que vous n'avez aucun souci pour la réussir à 100% sans problème. Cette épreuve-là est très facile. Donc, flèche électrique, vous avez le temps. Dès qu'il est électrocuté, hop, les petites flèches de choc. Et puis voilà. On va rendre ça. La ramène pas. Voilà. Et ouais, mon soleil radieux. Donc à chaque fois, il donne une caisse, en plus, même quand on a terminé. Et donc voilà. Prochaine vidéo, on continue. Hein, les zones de chasse, on va toutes les faire, hein, de toute façon. On va toutes les faire. Donc on part du principe, bien sûr, que vous avez terminé le jeu, que vous ayez un petit peu toutes les compétences, etc. Le but, c'est vraiment que voilà, le but, c'est de finaliser le... Bah, voilà, que vous ayez le trophée, par exemple, ou les dernières armes, etc. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, pour mettre des petits commentaires. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas aussi à me les dire, hein, je peux aussi faire ça. Et donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux aussi, le petit pouce bleu sur la vidéo qui me fait plaisir, et je vous retrouve pour la prochaine zone de chasse, bien sûr. Ciao, ciao. Ah, l'XP monte vite, hein, quand même, là. Alors, attendez, il y a un gars qui est juste là, il m'a vu, je crois. Ils s'en vont.